nous faisons. T'as aimé tout le monde prêter attention, venez là, son enseignement qui est très très intéressant, que chaque monde besoin connaît en tant que membre de l'église de Dieu. Donc, maintenant, on nous lit deux grands versets qui nous va venir dans Jean chapitre 6, versets 39 et 40. Jean chapitre 6, versets 39 et 40. Jean 6, verset 39 et 40. Pourquoi besoin qu'on puisse appeler vous-même? Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Que bon Dieu capable de bénir portion l'écriture ça au bénéfice de chaque monde qui est assemblé. Si j'ai un message tout matin, c'est l'assurance des croyants. L'assurance des croyants. On a parlé de l'assurance des croyants, c'est ça veut dire la certitude du salut éternel. Pour nous parler de assurance, comme moi-même qui parle à vous là, c'est un agent d'assurance. Nous sommes agents d'assurance. Alors, laissez-nous nous donner des agents d'assurance dans l'église là. C'est moi-même avec Frébej, Baron Simon l'autre monde. Mais c'est des agents d'assurance. Ce sont agents d'assurance qui parlent à vous, qui connaissent qui sont assurancier. Assurance, c'est un contrat ou signé avec un insurer, une compagnie, et puis qui couvre de yon intérêt ou gagne qui a valeur pour même, sous perdu intérêt ça, par une catastrophe désastreuse, la font gros impact négatif dans la vie. Par conséquent, non seulement catastrophe désastreuse ça qui a fait perdre intérêt ça, mais la forme la coûte cher parce que la coûte l'argent ou pas l'argent pour répondre avec catastrophe ça obligé chercher en compagnie pour assurer à compagnie au contrat avec. Donc ou d'accord pour payer un premium chaque mois et puis n'importe les monde ça a tombé le mourir compagnie a une somme d'argent là-bas. Parce que tu es d'accord pour payer une somme, une quantité chaque mois, et puis pour recevoir une somme d'argent, n'importe les gens. Vous avez dit que vous retirez l'inquiétude ça que vous avez dans la tête. Vous retirez ou bien vous avez un responsable. C'est-à-dire que de vous finir le contrat ça, à compagnie ça, vous n'avez aucune inquiétude de effet. Bagay sa pral fè sou sa pral lan mò, lè moun sa pral mouri, lè moun sa mouri a, n'importe lè tombe moun pa gòp ken inquiétude concernant l'argent pral besoin pour dépenser, pour couvrir dépenser, parce que ou te gen tan fon contrat qui couvri, qui responsable, de pour continuer payer premium nan, et puis la remettre ou somme l'argent. Il te dit la ba ou, lè moun nan mouri a. C'est ça qui est assurance sur le plan social. Non bon Dieu, c'est même bagaille. C'est même bagaille là non bon Dieu. Et l'évangile c'est seul compagnie qui bail assurance la vie éternelle. Est-ce que vous avez? Amen. L'évangile c'est seul compagnie qui bail assurance la vie éternelle. Bon Dieu, même si un compagnie promet tout sous payer premium nan, la version en somme, les moun nan mouri, et ben bon Dieu promet nous n'importe moun qui croit dans petite lia Jésus-Christ. Eh bien, la version sort indéfinie. On somme que vous n'êtes pas capable de contrôler savoir. La investir n'importe quoi seulement. Et puis, mieux pour nous appeler, ce n'est pas l'argent, mais c'est la foi. Amen. Mais nous n'avons seulement quoi dans Jésus-Christ. Et puis, bon Dieu, pas le paquet de somme qui t'a versé à la vie éternelle. Amen. Bon Dieu, pas la vie éternelle. C'est ça, l'assurance du chrétien. C'est la certitude que vous gagnez la vie éternelle. La vie éternelle, adjectif
Éternel lui décrit la durée de cette vie. Il décrit la durée de cette vie. Est-ce que c'est pour 2 ans? Est-ce que c'est pour 3 ans? Mais l'adjectif éternel décrit que c'est une vie qui n'a pas jamais fini. Vie ça joindre dans Jésus, assurance ça gagne dans Jésus-Christ, c'est une assurance qu'il a pour tout temps, qui n'a jamais fini, l'assurance de la vie éternelle. Dans Jean 3, 36, il dit, celui qui croit au Fils à la vie éternelle, celui qui ne croit pas n'a pas la vie. Donc, nous dit la foi, selon Éphésiens 2, verset 8, c'est moyen pour capable obtenir assurance ça dans bon Dieu. Dans 1 Jean chapitre 5, verset 10 à 13, nous avons lu verset ça. 1 Jean, son verset, son passage moyen, mais en pile. 1 Jean chapitre 5, verset 10 à 13. Si au monde veut nous, capable de lire pour nous. C'est lui qui croit au Fils de Dieu, a ce témoignage en lui-même. C'est lui qui ne croit pas à Dieu, le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Mm-hmm. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette vie est dans son Fils. C'est lui qui a le Fils à la vie, c'est lui qui n'a pas le Fils de Dieu. N'a pas la vie. Verset 13. Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Il y a plus de monde qui dans l'évangile, qui l'église, qui pas jamais assuré de salut. Si tu as posé une question, est-ce qu'on sauve? Elle ne doit pas connaître, bon Dieu, ça qui connaît. N'a plus lutté pour nous sauver. N'a plus lutté pour nous sauver. Amen. Jean, lui écrit passage ça pour le faire nous connaître ça. Lui présente ça, le témoignage du Père, du Fils, c'est témoignage, mon Dieu, de petit là. Il dit, n'importe monde qui croit dans petit là, il a la vie éternelle. Et dans verset 13, il dit, moi écris nous bagages ça, mais pour qui ça moi écris nous bagages ça, yo? Moi écris nous aspect pour nous capables de connaître nous-mêmes qui croyons dans Jésus-Christ, nous avons la vie, pas de vie. Et que nous-mêmes qui croyons en Jésus-Christ, nous déjà possédons la vie éternelle là. Jésus-Christ dit, celui qui croit en moi, il va dire celui qui croit en moi, aura. Il dit celui qui croit en moi, présent, à la vie éternelle. Et garantit, dit, je le ressusciterai. Au dernier jour, il dit, il m'a ressuscité. Au dernier jour, parce que c'est volonté papa pour ne pas perdre de youn. Dans cet album, je vais ressusciter au dernier jour. L'assurance, ça, il y a une attitude pour nous vivre sans inquiétude de tout danger. Dans le monde, le psaume 91, verset 5 à 20, ouais. L'homme de l'assurance, ça, mais comment vivre? Il n'y a pas d'inquiétude pour aucun danger. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. Dites-nous, plus gros expédition yo fait, plus gros maléfice yo fait, des mouns pour déjouer mouns, pour voir mauvais esprit attaquer mouns, c'est dans la nuit, vers minuit. Parce que minuit avec midi, c'est gros délire maléfique. Nous sommes sortis. Et dans 62, dans ma amie, et puis je suis allé dans la catholique charité. Vous écoutez, je suis passé, pendant que je traverse son rail, et puis je suis allé dans la et puis dame vini, quand je vais dans le café, et puis je fais ça. Il n'est pas passé dans le rail, il passe dans le rail. Je dis, oh, chien, c'est pas ça, pour qui ça fait ça? Il dit, ou pas à ça dans le café là? C'est de manger, moi sou poule. Il dit, moi, t'as fou ça là, haïtien avec Jamaica. C'est tout le temps qu'on a fait et comment on a fait cette expédition là dans Kafoussa. Je ne sais pas pourquoi je ne pas passer là-dedans et puis je fais moi-même passer. Ça, c'est mon la vivre sans assurance. Donc, assurance, ça que nous disons dans mon Dieu, les couvrir, nous les protéger, nous contre tout danger. Et ça fait nous vivre sans inquiétude
Nous pas peur les Satan, les malfaiteurs, les l'ennemi a fait une combinaison pendant l'abdomen. Nous pas peur. Amen. Parce qu'il dit, tu ne craindras pas ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole du jour. Regardez, pendant une nuit, ça t'a voué flèche tout partout. Parce que la Bible dit, il a fait vivre nous, donc on lui a voulu chercher le monde pour le dévorer. Il a fait toute stratégie possible pour voir si la met stop la vie, bravo, si la met l'eau dans les yeux pour le donner ça. Mais la Bible dit, nous avons des secrets. Parce qu'il a assuré dans mon Dieu. À cause assurance ça que nous gagnons, qui couvre nous pas peur aucune bagaille, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas. Mais ça fait pas peur, oui. La Bible dit même si 1000 ennemis à côté, 10 000 à droite, même pas besoin de peur. Et lui de tes yeux seulement. C'est-à-dire que nous avons un monde qui a fait stratégie pour retirer la vie de son observateur. Amen. Vous pouvez observer comment la vie, le monde a fini. Parce que les bagages, ce n'est pas le monde qui peut venir nous. Non. Le fait qu'on assure dans mon Dieu, ou qu'on confiance, ou assurance dans mon Dieu, ou qu'on protection contre tout danger, l'ennemi a fait complot sous dos. Mon Dieu n'a pas empêché de faire complot. Il quitte le fait. Mais dans le temps qu'on pleure, mon Dieu va faire la différence entre les gens qui ont servi mon Dieu et les gens qui ne sont pas pour mon Dieu. La différence. Parce que petit mon Dieu, la ville n'a pas appartenu à lui-même. Une fois qu'on remet Jésus la vie n'est pas pour encore. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui. Ne périsse point. Mais que la vie éternelle. Okay, ne périsse point. Un mot qui est très important dans la foi là. C'est point. Ne périsse point. Pas aucune possibilité pour périr même de fois dans Jésus. Amen. S'il dit ne périsse pas, une possibilité peut-être. La négation, point. Ou bien plus. Pas aucune possibilité pour perdre. Ne périsse point, mais qui est la vie éternelle? Ça, c'est notre assurance. Jean 11, verset 26. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même quand il mourit. C'est moi-même qui résurrection par la vie. Moun qui croit en moi, il n'a pas besoin de la mort parce que même s'il mourit, il va vivre encore. Parce que, assurant ça, premier garantie, bah, ou, mais bagay, les couvrir de la mort éternelle. De couvrir de la mort éternelle, parce que si vous perdez vie, vous perdez bagaille qui piche pour vous. Vous perdez bagaille qui piche pour vous. Amen. Par exemple, dans Jean chapitre 6, dans Marc chapitre 8, verset 36, il dit que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd sa vie? Qui ça s'observe à vos mouns pour posséder tout le monde et puis pour perdre vie. Ça veut dire que la vie ou ce bagaille qui est plus important pour vous, si vous perdez, la fait impact négatif sur vous-même. Parce que vous parlez de ça, la séparation, la mort éternelle, la séparation éternelle avec Dieu. Et Jean 10, verset 28, il dit, les brebis. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais. Mon autre encore qui bat une phrase à valer, c'est l'adverbe jamais. Jamais, elles ne périront jamais. Il y aura une chambre, c'est Dieu. Ça, c'est assurance que nous avons, nous gagnons la vie éternelle dans Jésus-Christ. Que l'argent n'est pas acheté, connaissance n'est pas bail possession. Pouvoir, pas qu'à bailler possession. Race, couleur, pas qu'à bailler possession. Ça. Seulement quoi dans Jésus-Christ et pour que la vie d'elle. Amen. Non seulement l'assurance, ça va nous protection, mais assurance, ça, il va nous nouvelle statue dans Jésus-Christ, dans mon Dieu. Il va nous nouvelle statue dans mon Dieu. Nous transporter, nous transférer du royaume des ténèbres au royaume des lumières. Colossiens 1er, verset 13.
à lire Colossiens chapitre 1er, si vous venez lire verset pour nous-mêmes. Pendant ma plaie, pendant ma dit ça, parce que je vais vous garder, vous pour garder le même pour vous. Christ nous a délivré de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Assurance ça, il délivre nous dans le royaume ténèbres là, en bas de Satan, nous sommes dans le royaume Satan, nous ne sommes pas contre mon Dieu. Et il n'y a pas ça qui décrit bagage ça, c'est Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2 qui décrit état noté. Chapitre 2. Si vous voulez commencer depuis le verset 1er, vous pouvez venir dans verset 10, même on va prendre dans verset 11. Alors, bien sûr, c'est pourquoi, pour qu'on trouve, pour qui moun m'a volonté. Mais dans verset 11, c'est pourquoi vous, autrefois de la chair, vous, autrefois païens de la chair, appelés circoncis par ceux qu'on appelle circoncis et qui ne le sont pas en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privé du droit de cité en Israël, étranger aux alliés de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Nous n'avons pas vivre sans Christ, nous n'avons pas aucun droit de cité, nous n'avons pas appartenir à personne. Nous n'avons pas de savon dans un petit mouton qui n'a pas savon dans 100 mètres. Parce que la vie nous est risquée. Il dit, mais maintenant, il dit, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ. Oui, verset 13. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre Père, lui, qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par la chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau en établissant la paix, et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, nous avons les uns, les autres, accès auprès du Père, dans le même esprit. Nous-mêmes qui étions loin sans Dieu, pas d'espérance. Lorsque nous venons recevoir assurance ça dans le bon Dieu, nous venons par nos nouvelles statues. Nous sommes 100 mètres maintenant qu'on y a, nous relais petites bon Dieu. Comment est-ce qu'on a réalisé ce petit bon Dieu là? Ou pas 100 mètres encore? Ou le monde a veillé sous? Non seulement le monde a veillé sous, mais il n'y a pas seulement là à côté, il y a non là vivant. Amen. La Bible dit dans 1 Corinthiens 3, verset 16, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu habite en vous. Et ça fait Mabdou. Le Saint-Esprit, c'est un personnage pour apprendre à bâtir une relation personnelle avec. Parce que c'est lui qui a vivre dans vous. C'est lui qui a protégé. C'est lui puissance qui pourrait vaincre le mal. Oui. Nous avons les petits bon Dieu. 1 Jean chapitre 3, verset 1er à 3. 1 Jean chapitre 3, verset 1er à 3. C'est ça, 1 Jean chapitre 3, verset 1er à 3. Il dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Papa a témoigné amour dans Jésus-Christ pour nous capables de vivre petit bon Dieu. Et c'est ça nous y est. C'est ça nous y est. Si le monde ne les connaît pas, c'est qu'il ne les connaît pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous les verrons tel qu'il est. Donc nous sommes petits, bon Dieu. Nous-mêmes qui pas de mettre autrefois, mais je dis à la Bible, les noms petits. Bon Dieu, à cause d'assurance ça, nous venons dire, bon Dieu, les changer statut nous relais petites. Bon Dieu, est-ce que nous pas 100 mètres encore? Nous avons peur. Nous avons monde qui a pensé à nous. Et nous avons continué. Dans 1 Pierre chapitre 2, verset 9, il dit,
Vous, au contraire, vous êtes une race élue. En tant que petite, mon Dieu, nous sommes race élue. Nous sommes sacerdoce royal. Nous venons appartenir avec une famille royale. Famille royale. Des gens qui sont fiers. Si vous êtes né dans la famille de la reine Elisabeth. Des gens qui sont fiers. Si vous êtes né dans la famille de Monsieur Trump. Des gens qui sont fiers. Si vous êtes né dans la famille de Monsieur Jovenel. Mais nous n'avons pas de chance, ça va, oui. Nous n'avons pas de l'argent pour nous taper. Parce que nous n'avons pas de renommée. Pour des relations avec la famille, ça, nous sommes là. Faut aller dans la famille. Ou du moins, ou dans une famille, il y a une renommée. Parce que dans une grande université, ou sont un gros professionnel, il y a besoin. Il est obligé de faire appel avec vous. Amen. Mais nous-mêmes, nous n'avons pas de ça. Même si nous avons fait une grosse profession, nous n'avons pas de relation avec vous. Amen. Mais nous bâti avec une relation avec Jésus-Christ. Vous venez d'assurance ça. Vous faites partie d'une famille royale. Une famille royale. Vous faites partie d'une famille royale. Un sacerdoce royal. Une nation sainte. Un peuple acquis. C'est-à-dire un peuple qui a part pour bon Dieu. Pour nous capables annoncer les vertus de ceux-là qui relèvent nous. Pour nous passer des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Non seulement. Assurance ça, nous protection, il va nous un statut nouvelle, mais assurance ça, il va nous. Alors, on te dit, assurance ça, il va nous. Assurance ça, il va nous, il va nous une provision de satisfaction. Il fait pour nous une provision de satisfaction. Dieu, tu as chanté, chanté. Alléluia. Comment je dis ça comme ça encore? Toute la vie, moi, t'as souffri. Toute la vie, moi, t'as souffri. T'as cherché yon blo pour moi. Qui t'as souffri, là, je vous tout en n'a moi. Alléluia, alléluia, moi, je satisfait tout cœur moi c'est pas sans lui moi sauvé on t'a tout côté t'a cherché pour te jouer soulagement pour n'en venir même pas de jambouin en rien quelqu'un n'en venir était toujours grand goût n'en venir était toujours soif parce que pas grand rien dans mon sac qu'à combler vite spirituel qui n'en a moi. Sinon que la présence de Dieu, mais il dit, les joints Jésus. Aïe. Quel longtemps, nous avons cherché à travers les vaudons, à travers les batailles magiques, à travers et adorer loi. Parce que tout le monde sait comprendre, c'est bon Dieu à adorer, mais on a fait noir. Mais là, lorsque le Saint-Esprit éclairer l'esprit, pour venir joindre Jésus-Christ, les joints, il t'a cherché en rien. Amen. C'est ça, assurer ça. Il fait provision pour nous. Non seulement fait provision pour nous, nous jouons Jésus, depuis nous avons Jésus, nous avons tout bagaille. Mais il fait provision pour accompagner nous tous. Dans Deutéronome 28, verset 8. Deutéronome 28, verset 8. C'est un gros bagaille, oui, frères et sœurs. Nous sommes 91, verset 11. Bon Dieu fait provision de protection par les anges l'autre pour marcher avec nous. Moun ki dan étude là, t'es dans étude là vendredi. T'es bon moi. Qui moun ki t'es dans étude vendredi là ta équivalé 11 anges pour moi. Puissance 11 anges. Moun ki dans étude vendredi soir. Non moun. Qui moun ki ka équivalé puissance 11 anges pour moi. Ça 11 anges ka fait. Combien? C'est 400 millions oui. On sait anges oui. Waouh. On sait anges, tout y est 185 000 hommes. C'est pas l'homme, et pas un nègre ordinaire, non? Homme de bataille. Soldat qui a gros âme dans la bataille, qui a gros épée. On grand zan entre dans l'outil, tout y est 185 000. Mais ces anges, ça, bon Dieu, mettez bon côté, pour bon protection.
Il leur donnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. De peur que ton pied leur marche pour pire, pas même frapper dans vos chats. Amen. Yeah? Donc, là-bas, il y a danger, là où il y a danger, il y a poté sous bras pour pire, pas frapper. Ça, c'est provision. Mon Dieu fait bon côté, provision de protection, mais ici, nous seulement faire provision pour nous spirituellement, la vie éternelle dans Jésus-Christ, mais libaï. Zanjo l'ordre, il y a une bénédiction l'ordre. L'verset, verset 8, Deutéronome 28, verset 8. Il y a une bénédiction l'ordre pour bénédiction marcher derrière. Tel que tout côté arrive, même si moun ne peut pas faire profit ou même faut faire profit au nom de Jésus. Même si moun ne peut pas produire dans ce secteur ça, ou même de vous arriver, il faut faire production. Parce que vous avez l'ordre, bénédiction, recevoir l'ordre. Pour marcher derrière vous. Ça veut dire que quand on prend l'air, c'est pas là où on va avoir une bénédiction, mais c'est où qu'on peut une bénédiction dans la place là. Qui est-ce que nous, notre travail, où on a une bénédiction pour les gens qui sont entourés à côté de vous? Dans le quartier, quand on a été, on a une bénédiction pour les voisins à côté de vous. Donc, il n'y a pas de passer dans le quartier, mais à cause de présence, il n'y a pas de passer. Donc, les gens dans le quartier ont bénéficié de les gens. Si les voisins ont dépendu de les gens, chaque jour, ils ont mangé la gagne. Parce qu'ils ont protégé. Bon Dieu, pas de bénédiction l'ordre pour marcher derrière, en façon pour bénir ou dans tout ce qu'on entreprendre. Dans verset 13, non seulement il y a bénédiction l'ordre pour marcher derrière, mais il fait où? Dans tête tout le temps, ou pas de droit dans le cœur. Qui nous bagaille, même si on a un cœur, sous quoi dans mon Dieu, on n'a pas besoin de peur, on passe devant quand même. Amen. Ou pas de droit que? C'est deux bagailles. Ou pas de droit que? Ou pas de droit en bas. Elle par exemple ça, ouais, Amant est en bas. Mais Amant d'accord pour être dans la volonté de bon Dieu. Pour parler d'elle là, faut d'accord pour faire volonté de bon Dieu. Amen. Faut d'accord pour être fidèle à bon Dieu pour nous d'ailleurs, mon Dieu, parce qu'on veut que mon Dieu plaisir et que mon Dieu passe au devant. Ou d'accord pour être en bas, parce qu'on veut faire mon Dieu plaisir, parce que Amant d'accord, Amant pas d'accord pour la salier, baisser tête devant. Mardoché pas d'accord pour la baisser tête devant Amant pour le café, mon Dieu plaisir. Ça a dit pour lui parce que Boaget est préparé pour y aller prendre. Moi, avant, nous avons cherché qu'on est côté Amant. Nous avons pris pour préparer pour y aller prendre. Nous avons cherché côté Amant pour nous dire, mon Dieu, sorry, je ne comprends pas ce que tu dis. Mais non, Mardoché pas fait passer ça. Il veut faire mon Dieu la plaisir jusqu'à la mort. Et ça fait, Jésus-Christ dit, moun qui veut sauver la vie, la perdu. Mais moun qui veut bailler la vie pour nous, la vie veut venir. Mais nous sommes d'accord pour bailler la vie pour mon Dieu. Et le fait que d'accord, même j'ai la troisième vie pour vous, même j'ai Daniel, nous d'accord pour bailler la vie et puis vous rejoignez encore. Et ça, le fait que nous sommes d'accord pour faire la volonté de mon Dieu, nous passons de en bas à haut. Bon Dieu, montez ou passez ou pas en bas. Bon Dieu, renversez ou. Les passez en haut, passez les mis en bas. Oui. Somme 3, verset 6. Non seulement il y a bénédiction de l'autre marché dehors, mais il y a bonheur. Le bonheur de l'autre pour accompagner. Accompagner, c'est marcher. Brati alors. Côte à côte. Marcher et puis le bonheur, bon côté. Bonheur à grâce, mon Dieu, accompagne. Le bonheur, qui ça bonheur? Bonheur, c'est satisfaction. Satisfaction. Ça nous a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ça, c'est la satisfaction complète. Et puis la grâce de Dieu, c'est la source de toutes ces bénédictions. Bonheur à grâce. Recevoir l'ordre, mais mon Dieu, pour accompagner au tout côté au passé. Et du matin, nous avons assurance comme ça. Est-ce que vous avez assurance ça dans vous? Est-ce que vous possédez assurance ça? Si vous possédez, vous avez besoin d'inquiétude avec ça, vous attendez dans le monde. Si vous possédez assurance, vous avez besoin d'inquiétude de aucune annonce négative qui a fait, qui a vu sur le monde. Si vous possédez assurance ça, vous n'avez pas besoin de peur. Tu manœuvres. Satan a fait contre vous-même. Vous n'avez pas besoin de peur. Si vous gagnez, restez tranquille. Parce que l'assurance ça,
C'est la tranquillité de l'esprit. C'est la paix. Et ça fait, Jésus-Christ dit, si tu ma banou la paix, même pas banou, Jean le monde baille. Amen. Le monde baille la paix, les bagues de la guerre. Pour le monde, la paix, c'est les bagues de la guerre. Les bagues de coups de zame d'abtirer, il y a la paix. Jésus-Christ dit, non, c'est pas comme ça, ma banou la paix, pas moi. Parce que Jésus-Christ baille non sens que les hommes pas qu'à bailler. Et puis, il a déterminé pour ça, c'est dans Christ qui sorti. Jésus-Christ fait. Mais la paix Christ, même si coup de zame a tiré là, la guerre a tiré, mais qu'est-ce qu'on va sauter parce qu'on connaît que le monde a protégé. Qu'est-ce qu'on va sauter? Qu'est-ce qu'on va sauter? Et où sont les soins là? Qui n'a un avion et puis. Et turbulence. Avion a presque décollé et puis tout le monde. Et puis, là, on m'a dit, bon, ça passe. Ah, bah, tout. Il dit, non, papa, je connais qui est mon pilote là. C'est pas par moi qui pilote là. Et bien, pas qui pilote là, la vie m'a sué. Parce que je connais qui est mon papa mieux. Et bien, moi, avant, nous avons un problème, yo. Le père est brûlé, nous, parce que nous connaissons qui est mon papa, il m'a sué à l'autre qui est mon nier. Amen. Il calme tout en paix. Il calme tout en paix. Il change tout pensée, les hommes. Pendant la vie de Daniel, nous faisons un look de grand goût. Pendant des semaines, nous pas mangé. Parce que c'était une forme surprise qui était. La gueule d'un lion, grand goût pour tuer, ou bien la gueule d'un founesse d'y fait, ou bien crucifié, ou pas nous sur la croix. Nous quittons le grand goût pour finir avec Daniel. Daniel, chapitre 10, 12, verset 10, je crois.